Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du 20 octobre, hein, d'accord, qui va démarrer à 20h58 exactement. Alors, cette pleine lune en bélier, mes amis, cette pleine lune est en bélier, voilà, le soleil est en balance, d'accord, et là c'est tout feu, tout flamme là. Une grande pensée à tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, car là, c'est waouh, ça bouscule, ça dépote. On est en dents de scie, ça fait plusieurs jours que c'est très fort, ça secoue, c'est intense. Les énergies du bélier, vous le savez, nous pousse à faire à avoir de l'audace, nous pousse un peu à être impulsif, à démarrer quelque chose, hein, à faire là entre autres, elle nous pousse à faire la guerre à nos peurs, hein, à avoir à vaincre nos angoisses. Et avec le soleil en balance, eh bien on va clairement rééquilibrer, le soleil en balance va venir en fait chercher un petit compromis, une harmonie dans des situations malgré tout. D'accord. Donc là, toutes les transformations qui ont commencé au fond de vous, d'accord, eh bien, elles vont clairement remonter à la surface, d'accord. Donc là, les transformations que vous êtes en train d'entamer, ce qui est en train de changer en vous, ce que vous ressentez de latent, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, sans pouvoir peut-être l'expliquer pour certaines d'entre vous, eh bien là, sachez que ça va remonter à la surface. D'accord? On va vous pousser en cette pleine lune à une renaissance, à renaître, à prendre conscience de vos pensées, de vos manières d'agir, de réagir, pour libérer des blessures, pour libérer des remords, des regrets, des souffrances. Hein, d'accord? Là, en cette pleine lune du bélier, voilà, on récolte, bien sûr, on va accomplir quelque chose. Hein, mais on veut changer, fonctionner autrement, on veut être plus bienveillant, plus constructif, plus dans l'amour, d'accord. On a tous fait, c'est sûr que cette année c'était assez intense, on a tous fait un super chemin, on a tous fait un sacré chemin pour arriver à ce niveau d'ouverture de conscience, hein. Donc soyez fiers de vous, félicitez-vous, c'est de belles avancées. Et en fait, avec ces aventures, avec ces ouvertures, ces nouvelles ouvertures d'esprit, de conscience, on ne peut plus fonctionner comme avant. Avec nos pensées négatives, nos croyances limitantes, nos vieux schémas et comportements, d'accord. Donc là, on va avoir, où on a déjà des expériences de vie et des leçons de vie qui vont nous bousculer pour apprendre à penser et réagir différemment, d'accord. Et comme l'être humain... ne comprend pas tout le temps, et bien parfois ça risque de taper assez fort, d'accord. On va apprendre à fixer des limites aussi avec certaines personnes, certaines situations. On va prendre la hauteur, on va aiguiser notre discernement, notre clarté et ouvrir son cœur davantage là. On va nous pousser à nous ouvrir davantage, à ouvrir notre cœur, à être de plus en plus juste en accord avec ce qu'on est vraiment, notre âme, hein, d'accord. Cette pleine lune, elle va nous aider clairement à reprendre notre pouvoir, d'accord. C'est s'écouter, c'est se faire confiance, c'est arrêter de laisser les autres décider pour nous, penser pour nous. C'est vraiment, c'est une pleine lune d'action là. On y va, d'instinct. Vous savez le bélier, hein, d'accord. Le bélier c'est quand même un signe d'instinct, de feu, de nouveaux projets. Il est toujours enthousiaste à l'idée de démarrer quelque chose, et bien là, ça se réveille, il y a de nouvelles idées. On va montrer notre potentiel, pardon, et on veut réussir ce qu'on veut faire, quoi. On veut vraiment vibrer, on va apprendre à se faire confiance de plus en plus, à suivre sa joie, son esprit, son instinct, l'amour de soi, ses passions. Voilà, c'est une pleine lune d'audace, hein, qui va nous révéler notre vérité. Bon.
Là, vous devez savoir que les 3 mois qu'on est en train de vivre vont être super intenses. Je préfère vous le dire. Ne vous attendez pas à prendre du repos au niveau des énergies parce que ça va être très fort en émotions et très fort voilà, en émotion, en énergie, hein, d'accord? Parce que là, tout ce que vous refoulez, hein, et que vous cachez en vous, va remonter à la surface, mes amis. Et je vous l'ai dit sur la guidance du mercredi 20 octobre, hein, que je vous conseille d'aller voir, vous allez être confronté à vous-même, là. Vous êtes face à vous-même, vous êtes face au pied du... vous êtes au pied du mur, vous n'aurez pas le choix que d'attaquer des émotions que vous avez trop refoulées ou des situations que vous avez trop mis de côté. D'accord? Donc là, les conseils que je vous donne, c'est vraiment de rester honnête avec vous, d'accord? Ce que j'accepte disparaît, ce que je combats continue de vivre en fait. Hein. Je parle au niveau des émotions négatives. Donc là, soyez honnête avec vous. Est-ce que vous devez corriger, modifier, guérir, d'accord? Ça peut être des obstacles, des blocages, des émotions, des peurs, un manque de confiance en vous, des blessures. Voilà, ça doit sortir, être évacué. Mais attention, bien sûr qu'il y a des vérités à dire à certaines personnes, à certaines relations, sur certaines situations, mais mettez les formes. Attention aux mots que vous choisissez. Faites ça dans la bienveillance et dans la paix. Je sais que c'est très compliqué lorsqu'on se sent blessé ou en souffrance de calmer ses énergies. Mais bon, qui dit pleine lune en bélier, c'est quand même la planète Mars. Et Mars, c'est un peu la guerre. Donc attention à ne pas faire la guerre aux gens. Il y a des colères saines, hein, d'accord? Jésus a eu des colères saines. Donc essayez de rester dans ces colères saines, hein, d'accord? Pensez bien à vous ancrer, à vous centrer dans votre cœur et à vous aligner dès que ça ne va pas. D'accord? Voilà, donc vraiment là, cette pleine lune, elle va quand même vous apporter de l'audace, de la chance, parce qu'il y a Jupiter en Verseau, là, qui va vous aider, qui est dans la réussite. Et Mercure qui rétrograde enfin, donc fini les problèmes de communication, les retards, etc. Pluton qui rétrograde aussi, donc fini les c'est des grosses fins de cycle karmique, des grosses fins de transformation, hein, d'accord, des choses un peu lourdes comme ça, voilà, écoutez-vous surtout, d'accord, vous êtes votre meilleur ami, je vous le dis régulièrement, soyez patient, d'accord. C'est la fin de certains retards, mais on vous demande d'être patient avec Saturne dans les parages. Restez patient. Et comme je vous disais, Mars, qui est quand même la planète de la guerre, faites attention aux conflits. Voilà, attention. Donc voilà, écoutez-vous. C'est le plus important dans cette pleine lune. Faites-vous confiance, arrêtez de chercher l'approbation des autres. Sortez de la dépendance des autres, reconnaissez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, avec votre potentiel, avec votre lumière et profitez de l'impulsion et de l'audace et du bélier pour démarrer quelque chose là, pour vous révéler, d'accord, dans votre vérité, dans vos relations, pour être pleinement qui vous êtes au quotidien. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu cette petite intro. Bah, je crois que j'ai été un peu longue. 8 minutes, allez, on y va. On va aller voir ce que nous réserve. Ah bah, on va commencer par quand même l'oracle de la lune. Hein. On va quand même rester dans le thème. On va aller voir l'oracle de la lune. Quel est le message en cette pleine lune du 20 octobre 2021, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Bon, bah, j'espère que mon intro vous aura plu. J'ai fait au mieux. Nous avons l'impulsion. Bon, voilà, je vous le disais, hein. Croissant de lune, nous sommes dans l'impulsion, l'audace, c'est clairement le signe du bélier qui vous donne ce coup de fouet pour faire les choses, cette impulsion pour créer, hein, d'accord? Donc on est dans l'impulsion, on se donne les moyens de réussir des choses, de commencer des projets et d'y aller clairement, hein, dans le feu. Ensuite nous avons le choix, bien sûr que vous avez le choix. Vous avez le choix, de créer différemment, d'accepter votre vérité, de dévoiler votre potentiel en cette pleine lune
et de réaliser vos rêves, hein, d'accord? De réaliser vos rêves. Et pour ça, ça va vous demander de l'investissement, d'accord? Bien sûr, il faut vous investir. Vous avez le choix, en cette pleine lune, de diriger vos impulsions vers des projets, vers des relations qui résonnent avec vous. D'accord? Vous avez le choix de dévoiler votre potentiel. Comment allez-vous le dévoiler? Bien sûr que vous allez avoir plusieurs choix devant vous. Dans quoi allez-vous investir cette énergie de feu? D'accord? Cette audace, cette énergie d'impulsion. Eh bien, vous me direz. On y va. Avec l'oracle des âmes, s'il vous plaît, quel est le message en cette pleine lune du mercredi 20 octobre? Nous avons ouvrir les yeux. Bon, bah voilà, ça rejoint la... Ça rejoint mon introduction, je vous disais, il est temps que des vérités éclatent, hein, d'accord? Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et je rajouterai à l'intérieur de toi, d'accord? Donc ouvrez les yeux, faites ce qu'il y a à faire, ayez de la clarté pour vous, à l'intérieur de vous, regardez les situations telles qu'elles sont, d'accord? Celles qui ne résonnent plus avec vous, celles qui doivent résonner avec vous. Là, vraiment, je vous dis, il va y avoir des colères, mais des colères justes, des colères saines, d'accord? Des colères de clarté, d'accord? Stop, on dit stop à la superficialité, on dit stop à des blessures, à des choses qu'on refoule depuis trop longtemps, à des situations qu'on accepte depuis trop longtemps. Voilà, on veut être qui l'on est vraiment. Et se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Bon bah voilà, on se rapproche de soi, on se rapproche de notre essence, de notre authenticité, de notre vérité. Regardez la lune et ses phases, le troisième œil, l'intuition, le discernement, la clarté. Hein, vous savez, on est vraiment synchro avec les cartes, c'est fabuleux. On se reconnecte à soi, on cherche, on développe son potentiel, sa vérité, on est authentique, on arrête de se mentir, on fait tomber les masques et on ouvre les yeux. Ça suffit, on ouvre les yeux, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est ce qu'on doit savoir, ok? On va aller voir avec, allez, je vais prendre quand même... l'esprit animal, on va prendre une carte de l'esprit animal s'il vous plaît pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Quel est le message en cette pleine lune du 20 octobre? Nous avons l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Et oui, ça parle encore de déguiser son discernement, déguiser sa vision, encore l'œil, hein, d'accord, son intuition. Suivez votre esprit, suivez le guide de votre le guide qui est votre esprit, d'accord? Mais gardez une vision d'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Sans mentir, sans vous voiler la face. Ok? Et on y va avec le tarot. On va aller voir ce qu'on a à nous dire en cette pleine lune du 20 octobre 2021, s'il vous plaît. Quel est le message? Nous avons l'impératrice. Non, la reine de bâton, pardon, excusez-moi. Nous avons la reine de bâton. D'accord? La reine de bâton et nous avons le 8 d'épée. Bon, bah voilà. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? La reine de bâton, c'est la reine passionnée, l'enthousiaste, d'accord, l'expressive, la sociale, d'accord. Il y a des situations là qui nous encouragent et qui nous guident et qui nous motivent. Et oui, il y a des situations qui vont nous guider et nous encourager à dire nos vérités, à sortir de là et puis à avoir de l'audace, à investir dans quelque chose, à avoir cette impulsion pour démarrer un projet, une mission, pour démarrer une relation, hein, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le mental, hein, d'accord? C'est le mental, c'est les fausses croyances, c'est l'emprisonnement, pardon. Et c'est l'emprisonnement, c'est vraiment l'autocritique. C'est sortir de l'autocritique, c'est sortir de l'isolement mental, des schémas répétitifs de votre mental, des fausses croyances. Hein. Donc là, on est décidé à sortir de là. Donc vraiment, la reine de bâton et les 8 d'épée ensemble, c'est vraiment, ça y est, on est enthousiaste à l'idée de sortir de notre enfermement habituel, notre enfermement mental, ces questions, ces auto-questions, auto-réponses qu'on se fait au quotidien, on en a marre, on veut sortir de là, on veut y voir plus clair,
On veut se sortir de se libérer, on est en quête de liberté, de vérité sur ça, en cette pleine lune. J'adore. J'adore quand c'est. Vous savez, quand on a plusieurs oracles comme ça et tarot et que tout est synchro, c'est beau. C'est très beau. Je vais prendre. Allez, on va prendre deux cartes de l'Aliaski. D'accord? Deux cartes. On va prendre la coupe. Parce que le timing est serré. Une rupture, une pause. Bien sûr, une rupture, une pause. Pour retrouver l'amour de soi. Ben oui, une rupture, une pause pour retrouver l'amour de soi, pour retrouver l'amour de soi vers une renaissance, hein, une renaissance grâce à des discussions de cœur à cœur avec soi-même, hein, avec soi-même. Cette transformation est nécessaire pour cette renaissance et on nous sommes protégés dans ces instants. C'est très très beau, c'est très très beau, bien sûr. C'est très très beau. Une rupture, une pause pour retrouver l'amour de soi. D'accord? On décide de rompre avec une situation, une relation pour retrouver l'amour de soi-même. On sort de l'hypocrisie, on sort des médisances, on sort des relations, des situations aux atmosphères malsaines, superficielles, qui ne résonnent plus avec nous pour une renaissance. On se priorise. D'accord? On est protégé dans ces discussions de cœur à cœur, dans ces recherches de vérité. On est protégé. C'est très beau. Je suis désolée, j'en perds mes mots, mais c'est très beau. Très, très beau. On va aller voir le sentimental et relationnel avec les cartes des fées. On va aller voir ce qui se passe en cette pleine lune. Nous avons la synchronicité, les synchronicités. Vous êtes guidés. Suivez les signes. Vous êtes guidé vers ce qui est le mieux pour vous, vers le meilleur pour vous. Vous êtes guidé vers votre lumière. Il y a des secrets de famille. Et oui, hein, la pleine lune, là, la pleine lune avec Pluton qui est rétrograde, on sort du karma, d'accord? Et on sort de gros karma. C'est une grosse fin de cycle, là, d'accord? Il y a des synchronicités qui vous guident vers des secrets de famille. Peut-être avez-vous des dons, des potentiels à mettre en lumière, hein, d'accord? Peut-être que vous avez une lignée de guérisseurs, hein, une lignée familiale de guérisseurs, une lignée de tarologues, d'accord? Et un nettoyage s'impose, oui, un nettoyage s'impose, une purification s'impose suite à une fin de cycle aussi par rapport à des secrets familiaux que vous avez peut-être aussi découverts, dont certains cycles transgénérationnels, dont certaines lignées transgénérationnelles ou certains cycles karmiques. Hein. Mais là, on vous dit que vous avez des synchronicités pour vous aider à vous purifier, vous nettoyer d'une situation familiale, de blessure, de secret familial, de souffrance familiale qui vous plombe, hein, clairement, hein, d'accord? Et vous allez célébrer ces libérations, vous allez guérir de ces blessures, de ces rancœurs, de ces remords, de ces trahisons, de ces humiliations, de ces abandons qui sont liés à la famille, hein, d'accord? Ou à des membres de votre famille, en tout cas. C'est quelque chose que vous allez célébrer parce que ça va vous rendre heureux. Vous allez comprendre des choses. Vous allez enfin comprendre des choses. Hein. On va prendre une conclusion avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, en cette pleine lune du 20 octobre 2021. Quel est le message pour tout le monde? Nous avons le plongeon. Bon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, vous le savez, ça. Au fond de vous, vous le savez que c'est le bon chemin. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Suivez votre guide intérieur. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui, vous allez dire des vérités à votre entourage, vous allez dire des vérités à vos relations, vous allez dire vos vérités dans des situations. Attention au choix de vos mots. D'accord? La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme, ouvrez votre conscience au nouveau. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Bien sûr qu'on va d'apprentissage en apprentissage. Vous le savez que pour évoluer, pour gagner en sagesse, en maturité, nous devons passer par cet apprentissage. Hein. D'accord? On va aller voir ce que nous disent les gardiens. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, ça, les gardiens de la lumière. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en cette journée de pleine lune? S'il vous plaît, nous avons Cernunnos, force de vie. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Bon, là, c'est clairement le chakra sacré
il y a une force de vie en vous. Et le bélier vous accompagne, hein. C'est dingue parce qu'il ressemble à un bélier, hein. Vous avez vu, c'est drôle, hein. Et le bélier, le signe du bélier vous aide dans cette expression de vous-même, hein, avec audace, avec énergie, avec feu, hein, d'accord. On va prendre une carte de l'oracle et cristal, on va aller voir quel est le cristal qui peut vous accompagner, hein, dans cette pleine lune, hein, ça peut vous aider. Le cristal de roche, limpidité, purification, rétablissement. Le cristal de roche est une pierre idéale pour les débutants car elle est incroyablement versatile et bénéfique dans de nombreux domaines. Ce minéral transforme les énergies négatives et baigne son porteur et tout ce qui l'entoure d'une énergie positive. C'est un détoxifiant physique et émotionnel. Le cristal de roche dissipe les blocages énergétiques et rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit. Bon bah voilà, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à prendre et à porter sur vous un cristal de roche en cette pleine lune, hein. Et pendant 3 jours après la pleine lune, si vous le sentez, hein, pour vous aider dans ces grosses transformations qui sont mises à jour. Voilà mes amis, je vous souhaite une agréable pleine lune. Pensez déjà à votre nouvelle lune, hein, qui arrive pour établir vos vœux, pour écrire vos vœux et puis récolter à la pleine lune suivante. Gardez courage, gardez confiance en vous, aimez-vous d'abord, reconnectez-vous à vous-même. Et puis, ne perdez pas espoir, tout a une raison d'être, tout est écrit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo si le cœur vous en dit à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider. Allez voir mes autres vidéos de guidance astrologique, de guidance du jour, de guidance du week-end, de la semaine. Allez voir mes guidances sur l'éveil aussi, hein. Il y a c'est sur des signes d'éveil, ça peut vous aider. Ce sont des signes qui me sont arrivés en tout cas. Et voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, d'accord, pour recevoir toutes mes vidéos. Et moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.